Les chevaux sont nourris à 5h du matin. Après, ils vont au marcheur, 20 minutes chacun. Et puis, on les prépare gentiment. Et on fait un premier hit. On fait à peu près 4 km jogging et on fait 3 lignes droites. Une sur la fibrée et deux sur la ligne droite, en faisant 400 mètres. Et ils ont tous fait ça. On a fait tous les hits, on a enchaîné les hits de tous nos partants de dimanche. Et puis après, ils sont partis pour un deuxième hit où ils ont enchaîné une ligne droite pour chauffer et 4 lignes droites en faisant des accélérations de 400 mètres. Italiano Vero, c'est son deuxième groupe 1. Il a couru un groupe 1 battu par le cheval de Duval d'Estaing, de Thierry. Mon cheval est très bien. La dernière fois, il s'est fait cueillir. Il est un peu particulier comme cheval. On croit qu'il est chaud, comme ça, tendu. Et David, il faut qu'il fasse un peu plus confiance. Il connaît pourtant par cœur, mais il a coupé les... Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent, il y a eu beaucoup de trains en début de parcours, la descente de la plaine. Il a trop coupé les gaz en montant. Ils ont sûrement une partielle en 21-22. Et après, le cheval reste comme ça, il fait le beau et il redémarre pas. Et Eric Raffin, c'est Eric Raffin, il nous a pris à la gorge avec le gagnant, ouais, impressionniste, qui va être un cheval à battre, entre autres. Mais non, le cheval est très bien, je pense qu'il est très bien, c'est un groupe 1. On est toujours tendu quand on court des groupes 1. À 3 ans en plus, il faut rester au trot, ça va être complet, il ne faut pas qu'il y ait de blagues, après qu'il fasse sa course. Voilà, mais besoin d'une course avec du rythme. Je vais courir dans cette course-là, une jument comme It's Not Never. Faut pas que ma femme m'écoute, c'est la propriétaire du cheval. Hein, Guide Poulsen Allaire, la propriétaire d'It's Not Never et l'éleveur. Faut pas qu'elle m'écoute, mais normalement, elle va faire un peu le travail pour Italiano Vero. Voilà. Elle va aller devant, elle va aller dans les chevaux de tête. La dernière fois, ça s'est mal passé, c'est de ma faute. J'ai demandé à Franck de rester derrière, de marquer la jument de Jean-Philippe Dubois. Et puis, il n'y a pas eu de train, il s'est mis loin et s'est contrarié. Elle aime bien, quand on démarre, elle va en faire 800. Il faut la laisser faire. Pas obligé de prendre la tête, mais il faut qu'elle fasse 700-800 mètres. C'est pas une jument à faire stop and go. Elle n'a pas la bouche, elle peut se battre un peu sur le mort. Il faut que ce soit assez fluide. Alors, je lui ai demandé, elle va sûrement être drivée dans les chevaux de tête. À ma demande. Ouais, elle a un peu de pied, là. Me donne un peu d'angle, elle a besoin peut-être un peu de confort. Moi, je suis un peu à l'ancienne, je suis un entraîneur un peu à l'ancienne. Je plaque pas beaucoup. Celle-là, elle a besoin un peu de poids. Comme ça, c'est une jument de vitesse, elle va être intéressante. Si je la crame pas, ça va être une bonne jument. Ça va être une bonne jument à fin de 3 ans, 4 ans, ça va être une bonne pouliche. Bon, la génération est compliquée, hein. Il y a le leader de la génération, la jument de Jean-Philippe Dubois. Mais bon, les places sont belles, c'est une bonne jument, elle fait toutes ses courses. Quand on ne fait pas de bêtises, quand je ne donne pas des ordres à l'envers, elle fait des bonnes courses. J'ai que des jeunes chevaux, alors on ne peut pas les déférer. Je plaque pas beaucoup, ça m'arrive, j'en ai, hein. J'ai une jument comme Isla Bonita qui est plaquée des 4, ça ne la gêne pas. Quand je peux le faire, je le fais. Mais pour l'instant, ils ont besoin un peu d'angle, de pied, un peu de confort. Je n'ai pas envie d'en faire des... Voilà, moi j'ai besoin de faire des étalons avec des allures, des vraies allures, quoi. Hein. Pas des chevaux maquillés, quoi. Après qu'on allège, évidemment, il faut être moderne. Et puis si on défère, on défère. Pourquoi pas, on va être stupide si on peut les déférer. Voilà, on s'adapte comme on peut, mais moi j'ai un peu de retard à l'allumage. Elle, c'est surtout parce qu'elle a besoin d'un peu de poids. Et comme on ne sait pas trop s'il prévoit de la pluie ou pas ce week-end. C'est pour ça qu'on l'a ouverte, pour pas que. Elle ne faut pas qu'elle fasse vent tout. Voilà. Pour pas qu'elle se colle à la piste, quoi, tu vois. Ouais, mais pourquoi une paire de cloches suffit à la part en fait? Bah, elle est un peu en bleu, hein. Il faut lui donner un petit peu d'angle, d'épaisseur. Ferré, moi, en ce qui me concerne, dans mes chevaux à des talons, j'aime bien que les chevaux aient couru ferrés. Et fait de vraies valeurs ferrées. Mais vraiment ferrées, pas plaquées. C'est bien qu'on le mette maintenant, plaqué. Avant, on ne le mettait pas, on ne savait pas. On croyait qu'ils étaient ferrés, ils étaient plaqués. Moi, pour l'élevage, je suis content que les chevaux soient. Enfin, moi, je privilégie les chevaux ferrés, quoi. Cher Cocktail Jet qui était tête de liste des talons, déférer des postérieurs, mais ça compte pas, ça n'a aucun intérêt, je veux dire. Mais Cocktail Jet qui a été tête de liste longtemps des étalons, était ferré. Love You, qui est un grand étalon, un grand père de mer, ferré. Déférer des postérieurs, une fois déférer des quatre, peut-être à Caen, peu importe. Mais Redicage ferré, déférer des postérieurs, je lui dis ça compte pas.
Donc la balance derrière, on veut se donner, voilà, bref. Mais Ready Cash Ferré, c'est des chevaux protégés. Après, les déférés des 4, il y en a sûrement, mais je suis moins fan. Voilà, je suis moins fan. S'ils n'ont pas été classiques avec des fers à 2, enfin, il n'y a pas de classique à 2 ans, mais à mais à 3 ans, à 4 ans, ben, voilà, ce n'est pas les étangs que je vais choisir en premier. Ah, c'est un très très beau, chic cheval, très très beau cheval. C'est Ready Cash, il a la couleur de Ready Cash, du père de sa mère, mais avec une pointure au-dessus, quoi, de taille. C'est un cheval assez grand, ouais, ouais. Il a de la longueur, hein, il a du volume, c'est un magnifique cheval. C'est un cheval qui pourra faire un jour un concours de manœuvre de 4 ans. J'y vais plus beaucoup dans ces concours-là, mais je peux me laisser tenter pour un cheval comme ça. Un cheval qui est bien dans ses aplombs, ah ouais, ouais, c'est un bon cheval. Cheval monté pour l'instant, il courra à l'attelage, mais bon, avec les gains, ce ne sera pas facile de courir attelé contre la top de la génération. En tous les cas, son objectif, il a gagné le Saint-Léger. On va sur cette course-là, quoi. C'est un groupe 1, on est obligé de courir. Puis après, il y aura le prix de Vincennes en fin d'année. Je ne pense pas courir les élites avec mon cheval, en tout cas pas avec celui-là. Je ne pense pas. On ne l'a pas monté depuis le Saint-Léger. Et habituellement, on le montait plus régulièrement que ça. On n'a même pas sorti beaucoup monté. Corbino étant là ce matin, Christopher qui monte le cheval. Non, on a besoin, le cheval a besoin, il peut avoir la jambe lourde. C'est un cheval qui devient froid et non, ça lui a fait du bien d'en faire 500 déroulés un peu au 8, ça lui a fait du bien, ça le bouge un peu. Puis après, on a fait le deuxième état attelé. On ne va pas faire de 8 montées, quoi. Hein. Et le cheval se met à bien aller attelé. Prendre la vitesse au travail. Avant le Saint-Léger, on ne pouvait pas travailler comme il travaille maintenant. Depuis le Saint-Léger, je ne sais pas, ce cheval a changé. Il peut travailler dans des bons lots attelés, il n'est pas ridicule. Avant, il était un peu ridicule attelé. On était obligé de le monter toutes les semaines pour lui donner un peu de vitesse. Maintenant, non, ça suffit, attelé, ça suffit. Ils ne sont jamais venus complètement. Nous, on parle de demi-sang, on n'est pas dans le pur sang. Nous, on est plus proche des chevaux de l'obstacle. Ils ont 3 ans, ce sont des demi-sang. On ne l'a pas laissé. On n'attend pas, on les court. Ils ressemblent à des chevaux d'obstacle, mais on voulait en faire des chevaux de plan, on les court à 2 ans. Donc, on court des demi-sang à 2 ans. Et puis, en plus, on les court attelés montés, celui-là. Non, il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge maintenant. Mais évidemment, quand on les court, on laisse un peu de plume. C'est sûr que ceux qui les attendent, qui ne les courent pas du tout, ils prennent pas d'argent, ils les abîment pas. Bon, nous, on ne peut pas tout avoir, hein. Le beurre, l'argent du beurre, on essaie de tout avoir, les courir, les faire vieillir. Des fois, quand on les fait saillir à 4 ans, ben, on raccourcit un peu l'espérance. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, c'est mon fonds de commerce de faire des étalons. J'ai toujours essayé de faire ça, hein, bon an, mal an. Là, on est assez gâté. Un cheval comme Inouï d'Anika, non, il se soude mieux. Il est très grand. Je trouve très bien au travail. Oui, il avait l'air réveillé, là. Ouais, bien. Moi, j'ai fait le premier hit. C'est Simon Roussel qui l'a pris au deuxième hit. Et je trouve le cheval très très bien. Content de le monter, puis je suis content que Eric me le monte, parce qu'il avait le choix entre un autre cheval, un dollar maker qui s'appelle Indigo Duporé, que j'ai vendu, que j'avais eu. J'avais acheté Yearling et que j'ai vendu à 2 ans et demi. Cheval qui reste sur 3 victoires, qui est un très bon cheval. Je pensais qu'il aurait couru le prix de Vincennes, il court cette course-là. Et Eric a été gentil, je lui ai laissé libre. J'ai dit Indigo Duporé, c'est peut-être ton cheval de prix de Vincennes. Et Eric a dit non. Inouï d'Anika. Non, c'est bien. 2100, c'est son sport. Le cheval, c'est un cheval, un bon démarreur. Cheval qui sait se placer tout de suite. Cheval qui fait toutes ses courses, évidemment, qui manque de force, mais ils manquent tous de force à cet âge-là. Mais je ne sais pas, il y a beaucoup de héros dans cette génération qui tombent. Hein. C'est souvent les. Il y a la chaîne qui est là, qu'est-ce qu'on a les deux nôtres. Et puis Indigo Duporé, le nouveau. Quoi, voilà. Puis on ne parle pas des autres, hein, on n'est pas tout seul. Mais non, les chevaux sont bien, les chevaux ont bien travaillé, on est assez contents. Dernier check après un boulot vite, on vient d'enchaîner 8 jours, 10 jours, on s'est dit bon maintenant on scope en début de semaine, qu'il n'y ait pas de mucus dans la gorge, vous savez bien ce que c'est, la paille, poussière dans la paille, paille traitée, le pollen, on est à l'époque du pollen, des allergies, je suis bien placé pour vous en parler, je suis allergique, donc au poil de cheval, et un peu au pollen. Donc voilà, donc les chevaux, et on veut que ce soit clean, on peut encore intervenir gentiment, pas d'antibiotiques, mais je dirais que des masques, des produits autorisés, on leur fait des nébuliseurs. Voilà, c'est pour finir la gorge, nickel, parce que les chevaux ont une trachée très longue. C'est pour ça que les chevaux saignent par rapport aux athlètes humains. Les chevaux saignent parce qu'il y a une place qu'on appelle la place morte. Ils ont une trachée très grande. Hein, entre les naseaux et les poumons, il y a presque 1 mètre, je veux dire. Il faut qu'ils aspirent. Et là, oui, on peut créer. Alors, s'ils sont un peu sales, s'ils ont un peu de mucus, on encombre tout ça. Les chevaux forcent un peu et on peut les faire saigner. Pour que les chevaux ne saignent pas des poumons, n'aient pas de saignement pulmonaire,
eh bien, on veut qu'il soit clean. Donc, on a un scope, on pratique comme ça. C'est ma façon de faire, mais je ne veux pas, après, il y a une barrière dans les muqueuses, je ne veux pas non plus être un fou du scope à scoper tous les 3 jours. On scope, dernier boulot, voilà, il y a peut-être plus de 15 jours qu'ils n'ont pas été scopés, et c'est le scope de l'écurie, donc voilà.